Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous te les consacrons. Viens, règne, illumine, éclaire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia! Alléluia! Merci. In the first course we had on church growth, lors du premier cours que nous avions eu sur la croissance de l'Église, we spoke about the critical importance of numbers. Nous avons parlé de l'importance critique des effectifs. We spoke about the critical importance of numbers. Nous avons parlé de l'importance critique des effectifs. The second course, lors du deuxième cours, we spoke about the agents of growth. Nous avons parlé des agents de la croissance, called evangelists. Appelés l'évangéliste, les évangélistes. Evangelists are God's agents of growth. Les évangélistes sont les agents de Dieu pour la croissance. In this third edition, dans cette troisième édition, we are going to talk about the guarantors of growth. Nous allons parler de ceux qui assurent la croissance. The pastors. Les pasteurs. The evangelists. Les évangélistes. The evangelists. L'évangéliste. Is like somebody who goes to the market. Est comme quelqu'un qui va au marché. And buys many, many cows, many goats. Et achète beaucoup de bœufs, beaucoup de chèvres. He has money. Il a de l'argent. Which is the gospel. Qui est l'évangile. And he buys many souls. Et il achète plusieurs âmes. For the family. Pour la famille. Which is the church. Qui est l'église. The pastor. Le pasteur. Is the one who takes the goats. C'est lui qui prend. Le pasteur est celui qui prend les chèvres. Takes the cows. Et qui prend les vaches, les bœufs. And takes the sheep. Et prend les brebis. Cares for them. Prend soin d'eux. And multiplies them. Et les multiplie. The pastor takes what has been brought into the family. Le pasteur prend ce qui a été ramené dans la famille. Grooms it to productivity. Entretient cela pour que cela soit productif. He grooms what is available so that it is productive. Il entretient ce qui est disponible pour rendre cela productif. The pastor, le pasteur, grooms what is available to make it productive. Entretient ce qui est disponible pour rendre cela productif. Where is that my? Okay, yes, I have all the chalk here. I'm going to show you a little illustration. Je vais vous montrer une petite illustration. The evangelist, l'évangéliste, is a big merchant. Est un grand marchand. He goes out there into the market. Il va au marché. Out there into the market. Là-bas dans le marché. To grab what is available for sale. Pour se saisir de ce qui est disponible en vente. He buys it. Il achète. For the family. Pour la famille. The market is the world. Le marché, c'est le monde. Satan is there, ready to buy many souls. Satan est là-bas, prêt pour acheter
plusieurs âmes. And there are other buyers. Et à d'autres acheteurs. Other evangelists. D'autres évangélistes. Evangelists for the devil. Les évangélistes pour le diable. Some of them are called prostitutes. Certains d'entre eux sont appelés des prostituées. They go there to buy souls. Elles y vont pour acheter des âmes. For hell. Pour l'enfer. And some of them win many souls. Et certains d'entre eux gagnent plusieurs âmes. Some prostitutes can end up winning 500. Certaines prostituées peuvent finir par gagner 500. In their life. Dans leur vie. If you were a former prostitute, si tu étais une ancienne prostituée, make sure you restitute fivefold. Give us all the ones that you destroy first, then revenge against the devil as a sign of your repentance, doubling all that you first you conquer for the devil, and then you can start being normal. You come to point zero. Now win souls. Hallelujah. Amen. And be productive and be fruitful for the Lord. Win double. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Si tu es une ancienne prostituée, rassure-toi que tu restitues cinq fois. D'abord, tu t'assures que tu ramènes, tu gagnes pour le Seigneur autant de personnes que tu as détruites quand tu étais prostituée. Après cela, tu te venges contre le diable et tu gagnes des âmes. Et après cela, tu seras normal. Maintenant, tu commences à gagner les âmes, à gagner les âmes pour le Seigneur. Alléluia. Prostitutes are evangelists for the devil. Les prostituées sont des évangélistes pour le diable. All bartenders are evangelists for the devil. Tous les tenanciers de bars sont des évangélistes pour le diable. Their trucks are bottles of Trantois, Guinness. Those are trucks. Leurs traités sont des bouteilles de Trantois, la Guinness. Ce sont là leurs traités. Golda. What else? Vous buvez quoi ici? On boit quoi ici? Hein? Flak. Flak. Encore quoi? What else? Hein? Number one. Number one. Those are tracks. Ce sont les traités. Used by the evangelist, the bartender. Utilisé par l'évangéliste, le tenancier du bar. There are other evangelists in the market. Il y a d'autres évangélistes au marché. Those who sell cigarettes. Ceux qui vendent les cigarettes. Sell drugs. Les drogues. And all the many contenders for the souls of men. Et tous ceux qui font concurrence pour s'emparer des âmes des hommes. The evangelist. L'évangéliste is the kingdom buyer. C'est l'acheteur du royaume. He goes to the market of the world. Il va au marché du monde. He wants to get people for his own kingdom. Il veut acquérir des gens pour son propre royaume. And if he's a very powerful evangelist, et s'il est un très puissant évangéliste, imagine that year one. Imaginez que la première année. Viens non, vite. Mais ici. Anno 1. Écris vite comme moi, n'écris pas lent comme. L'évangéliste, lui, il gagne 1000 personnes. Alléluia. Amen. N'écris plus. Au lieu d'écrire personne en plein, il faut juste écrire mille paix. Mm-hmm. Mille paix. Abréviation. Et pendant ce temps, le pasteur a ses 10 brebis. Écris là-bas 10 brebis. Amen.
Alléluia. Amen. Deuxième année, le pasteur gagne 1000 autres, donc ils sont 2000. L'évangéliste. So year two, the evangelist wins 1000 people again. Non, ça fait 2000. So now there are 2000. De paix. Entre temps, in the meantime, le pasteur a nourri ses gens. The pastor has fed his people. Chacun a mis bas un. Each one has given birth to one. Ça fait 20. Now he has 20. 20. 20 bread. 20. Ha. Troisième année. Year three. L'évangéliste, il travaille dur encore. The evangelist works hard. Et il gagne encore 1000. And he wins 1000. He wins another 1,000. Et entre-temps, and in the meantime, le pasteur, the pastor, il a rendu visite à tous ses brebis. He has visited all his sheep. Il a prié avec chacun. He has prayed with each of them. Il les a enseignés. He has taught them. Briser les liens. Broken bondages. En fini avec leur passé. Terminated with their past. Les bénir. Bless them. Prier pour leurs enfants. Pray for their children. Il est présent dans leur vie. He's present in their life. Et il les a aidés, les 20 qui étaient avec lui. And he has helped all the 20s who were with him. Chacun aussi. Each one of them. Ami ba aussi. Has given birth to each one. Vas-y, ils sont à combien? 40 bref. 40 sheep. Vous voyez, aux yeux des hommes. You see, before man. Celui-ci n'a pas l'air d'être un grand homme de Dieu. This one does not look like a big man of God. Celui-ci a déjà une méga église. This one already has a mega church. 3000 personnes. 3000 people. Qui chauffe les bancs. Who warm the benches. Qui donne les dîmes. Who give tithes. Il a beaucoup de dîmeurs. He has many tithers. Et celui-ci. And this one. Peut-être c'est lui-même. En plus de ses dîmes, c'est lui qui les donne même à manger. Maybe this one, in addition to giving his own tithe, is the one who gives them to eat. Quatrième année. Year four. Cet évangéliste est un bon travailleur. This evangelist is a good worker. Avec des résultats consistants. With consistent results. Ça veut dire que sa marche avec Dieu est consistante. Il n'a pas rétrogradé. It means that his work with God is consistent. He has not backslidden. Ça veut dire que son caractère est consistant. It means that his character is consistent. Donc les résultats, la performance est aussi consistante. So, meaning that the result, his performance is also consistent. Puisque les vecteurs de productivité sont consistants. Since the vectors of productivity are consistent. Donc la performance est aussi consistante. So his performance is also consistent. Il tape 1000 autres. He brings 1000 more. Et entre-temps, in the meantime, Monsieur le fidèle pasteur. Mr. Faithful Pastor. Il s'occupe de ses gens. He cares for his people. Mais il enseigne même aux 10 premiers là. He even teaches the first 10. De l'aider à s'occuper de leur cadet. To help him to take care of their younger ones. Il réussit à transformer tous ces 40 brebis là. Chacun met bas un. N'allons pas à deux. Parce qu'après 3 ans, même les chèvres commencent à mettre bas. Deux ou même non, jamais trois. Tu as déjà vu trois. Qui a déjà vu trois? Encore, vas-y. Year four, pastor succeeds to lead all the 40 sheep to each bring one to the Lord. Okay, vas-y. Cinquième année. 5000. Yeah, 5,000. Cinquième année. Yeah, 5 years, 160.
Sixième année, vite, vite, vite. Year six. 6 000. 6 000. Sixième année. Year six. 320. 320. Septième année. Year seven. 7 000. 7 000. Septième année. Year seven. 640. 640. Huitième année. Year eight. 8 000. 8 000. Huitième année. Year eight. 1280. 1280. 1280. 1280. 1280. Oui. Neuvième année. Year 9. Écris vite. 9 000. 9 000. Il vieillit déjà. Oh. It's growing old. Celui-ci, il vieillit déjà. This one is getting old. Mais celui-ci. But this one. 2000. 2560. 560. Uh-huh. Dixième année. Year 10. 10 000. 10 000. Ah, il est un grand pasteur. Oh, it's a big pastor. Il est un grand homme de Dieu. It's a big man of God. Celui-ci, c'est. This one is. 5 000. OK. Onzième année. Year 11. 11 000. 11 000. Onzième année. Year 11. 10 240. 10 240. Douzième année. Year 12. 12 000. 12 000. Douzième année. Year 12. 20 480. Treizième année. Year 13. 13 000. 13 000. Treizième année. 13th year. Vas-y. 960. Qui veut continuer? Who would like to continue? Qui voit la tromperie extérieure des dons phares? Who can see the outward seduction of public gifts? Public gifts. Les dons phares. Public gifts. C'est une tromperie. It's a seduction. Qui voit le travail solide? Who can see the solid work? De la fidélité dans la personnalité sans avoir même des dons criards. Of the faithfulness in the personality without even having high sounding gifts. En 12 ans. In 12 years. Déjà même en 11 ans, ils sont presque égaux. Après 10 ans, celui qui a commencé avec 10, il rattrape celui qui a commencé avec 1000. Already at the 10th year, the one who started with 10 catches up with the person who started with 1,000. En 10 ans. In 10 years. Celui-ci. C'est 20 000 personnes ici. This one, the 20,000 people of this person here, sont plus stables que les 12 000 ici. Are more stable than the 12,000 here. Ceux-ci n'ont pas beaucoup de suivi. These ones are not well followed up. Celui-ci a le temps de bâtir ses gens, de les donner une fondation. This one has time to build up his people and give them a foundation. Quand il y a 10 personnes, tu as tout le temps pour les rendre visite. When you have 10 people, you have all the time to visit them. Même quand tu as 160 personnes, tu as tout le temps. Even when you have 160 people, you have all the time. Pour t'occuper d'eux. To take care of them. On appelle mais en bas, en haut là. Non, mais ici. Processus d'addition. Here is addition. En haut, au rouge. Parfait. Mais ici. Processus de multiplication. Here is the process of multiplication.
Until now, jusqu'ici, God has given you a lot of the development of a lot of the pastoral ministry. Dieu a beaucoup développé votre ministère pastoral. But you don't know the explosive power of the pastoral ministry. Mais vous ne connaissez pas la puissance d'explosion du ministère pastoral. Many people think that the pastoral ministry is a maintenance ministry. Plusieurs personnes pensent que le ministère pastoral est un ministère de maintenance. It is a ministry for growth. C'est un ministère pour la croissance. It's a growth factor. C'est un vecteur, un facteur de croissance. It's a growth factor. C'est un facteur de croissance. It mobilizes the proletariat. Ça mobilise la population. It uses the common brother. Ça se sert du frère ordinaire. It banks on the ordinary believer. Ça compte sur le croyant ordinaire. God has populated the earth with 7 billion inhabitants, not by the evangelist method. He is not creating new Adams every year. Dieu a peuplé le monde de 7 milliards d'habitants et il n'a pas suivi le processus d'addition pour y parvenir. Il n'a pas, chaque jour, il ne crée pas un nouvel Adam. He has followed the pastoral method. Il a suivi la méthode pastorale. God has filled the earth. Dieu a rempli la terre. Using the pastoral method. En se servant de la méthode pastorale. Colorless, ça a l'air insignifiant, but effective. Mais c'est efficace. Effective. C'est efficace. Here, ici, the person who has to do this, la personne qui doit faire ça, must be a very charismatic person. Doit être une personne très charismatique, with very vast public gifts. Avec un don public très énorme. The person who does this, la personne qui fait procède comme ça, must have a very clear vision. Doit avoir une vision très claire. He has a future for his people. Il a un avenir pour ses gens. He walks through the people he has. Il travaille à travers les gens qu'il a. He walks through the people that God gives him. Il travaille à travers les gens que Dieu lui donne. His own talents. Ses talents à lui. Are people. Ce sont les gens. His gifts. Ses dons. His own gifts. Ses dons à lui. Are people. Ce sont les gens. Children. Les enfants. Women. Les femmes. Those are his own spiritual gifts. Voilà ses dons spirituels. The pastor's spiritual gifts are the people that God has given to him. Les dons spirituels du pasteur, ce sont les gens que Dieu lui a donné. He walks with them. Il travaille avec eux. He walks with them. Il travaille avec eux. The evangelist is a colorful man. L'évangéliste est un homme impressionnant. He is the flower of the church. Il est la fleur de l'église. Everybody sees him. Tout le monde le voit. The pastor is not a flower. Le pasteur n'est pas une fleur. The pastor's talents, the pastor's gifts, the pastor's abilities, the pastor's charisma are his people. Les talents du pasteur, les dons du pasteur, les aptitudes du pasteur, le charisme du pasteur, ce sont ces gens. He walks with them. Il travaille avec eux. He uses them. Il se sert d'eux. He is a kingdom multiplier. Il est un multiplicateur du royaume. We must have evangelists. Il nous faut avoir des évangélistes. To bring in the multitudes. Pour faire entrer des multitudes. To fight with the other merchants in the market of the world. Pour concurrencer les autres. In the battle for the souls of men in the market of the world. Dans la bataille pour la conquête des âmes des hommes dans le marché du monde. We must have evangelists. Il nous faut avoir des évangélistes. They are the ones ordained by God
to bring encouragement in growth. Et sont ceux que Dieu a ordonné pour apporter l'encouragement en termes de croissance. But mais in the silent forces of the church, dans les forces silencieuses de l'église, in the latent powers of the church, dans les puissances latentes de l'église, it is the pastor, c'est le pasteur, that is the greatest factor of growth, qui est le plus grand facteur de la croissance. He is the harbinger of multiplication. Il est l'avant-coureur de la multiplication. He is the custodian. Il est le dépositaire of the priesthood of every believer. De la sacrificature de chaque croyant. He is the custodian. Il est le dépositaire of God's vision of the body of Christ. De la vision de Dieu du corps de Christ. Of every member as a cell. De chaque membre en tant que cellule. Of life as a vital process of meiosis and mitosis. De la vie en tant que processus vital des méioses et de multiplication. He ensures that every member multiplies. Il s'assure que chaque membre se multiplie. That's his job. Ça c'est son travail. And he does it well. Et il le fait bien. By attention, en accordant l'attention, by care, en prenant soin, by love, en aimant. I didn't say by loving. Par l'amour. Clap for God. Applaudissez pour Dieu. Yeah, clap for God. Applaudissez pour Dieu. Once a pastor may never be able to win 100 people, but once he has the first 5, nothing will stop him. Un pasteur pourrait ne pas être en mesure de gagner 10 personnes, mais dès qu'il a les 5 premières personnes, rien ne peut l'arrêter. It may take him 10 years to have 5. Il pourrait lui falloir 10 ans pour avoir 5 personnes. But when he has them, mais dès qu'il les a, in his hands, entre ses mains, the children of God, les enfants de Dieu, become a power for of to count with, deviennent une puissance sur laquelle compter. There is nobody who will be clapping for him. Personne, il n'y aura personne pour applaudir pour lui. His own results never come in such a way that anybody will stop and clap for him. Ses résultats lui ne viennent pas de manière à ce que les gens puissent l'acclamer. But mais he's a multiplier factor. C'est un facteur multiplicateur. I want 10 people to come and pray. Je veux que 10 personnes viennent prier. In church growth, dans la croissance de l'église, the pastor is incontournable. Le pasteur est incontournable. We either have them, soit nous les avons, or we should forget our goal. Ou alors nous faut oublier notre but. Let 10 people pray. Que 10 personnes viennent prier. Gloire à Dieu. Avant de rendre grâce à Dieu, je veux d'abord dire au frère que je suis très réjoui. Parce que je suis l'une des personnes à qui le Seigneur a révélé le ministère évangélique. Quand j'ai reçu la révélation, j'étais heureux. Je voulais déposer tout sur les mains des évangélistes. Que la croissance maintenant, c'est votre affaire. Vraiment. Donc Dieu me ramène à l'ordre. Acclamez pour Jésus-Christ. Père, nous te bénissons parce que c'est incontestable. Tu n'as pas créé le pasteur pour rien. Et tu n'as pas créé l'évangéliste pour rien. Tu n'as pas créé les dons qui se rivalisent. Tu es un Dieu intelligent, sage, suprême. Le pasteur est effectivement un facteur multiplicateur. Merci de m'ouvrir les yeux avant que je n'aille plus loin dans ce que j'étais en train d'organiser, de penser. Merci notre Dieu. Merci pour toutes les révélations reçues lors de la deuxième conférence sur le ministère d'évangéliste. Merci pour celles que je suis en train de recevoir maintenant.
Je te bénis parce que tu es en train de bâtir ton œuvre. Tu es en train de la construire à partir de vérités fondamentales, éternelles. Seigneur éternel, que tout ce qui s'était déjà déconnecté, tout ce qui avait déposé la responsabilité entre les mains des évangélistes se ravise pour comprendre que les deux doivent travailler, mais que le pasteur doit œuvrer d'une manière déterminante pour que tout ce qui a été acquis à qui pour le bien de la famille soit amené à maturité, soit amené à se multiplier. Je plaide que cette connaissance soit impartie à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur parce que tu me montres la place du pasteur et tu me fais voir que le pasteur Seigneur est un facteur de croissance, un facteur de multiplication. Merci Seigneur parce que tu me montres qu'en me concentrant Seigneur sur le troupeau, à les bâtir, à prendre soin d'eux, à veiller sur eux, à les aimer. Et Seigneur, la croissance, elle va revenir et va être une croissance sûre. Je te bénis, je te rends grâce pour cette lumière, Seigneur. Merci parce que tu équilibres ta parole. Je te loue et je te célèbre. Et je prie, ô Dieu, que tu m'aides, Seigneur, à me concentrer pour me donner, ô Dieu, Seigneur, à ce troupeau que tu nous as déjà confié. Pour m'investir en eux, Seigneur. Pour me donner à eux, Seigneur, suffisamment. Pour pouvoir prendre soin d'eux, pour pouvoir les aimer, Seigneur, d'une manière, ô Dieu, correcte. Et ainsi, Seigneur, assurer une croissance, une multiplication sûre dans le futur. Ô Dieu, je prie que chacun de tes enfants saisisse ce que tu es en train de nous dire ce matin. Et que la correction se produise. Que l'équilibre, Seigneur, entre le ministère pastoral et le ministère de l'Évangile, Seigneur, soit saisi. Ô notre Dieu, et que chacun, Seigneur, soit encouragé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour le ministère de l'évangéliste. Merci pour le ministère du pasteur. Seigneur, je voudrais personnellement te bénir pour le bien que tu nous as fait en créant cet équilibre au travers de cette lumière. Nous te disons merci beaucoup pour les sommes que tu nous as données comme étant nos talents, nos dons, notre capacité et notre puissance pour percer de l'avant. Oh Seigneur, je prie Seigneur pour te remercier et pendant que tu nous libères, oh Seigneur, de cette confusion du passé, pendant que tu nous restitues Seigneur dans la course pour la croissance et dans l'accomplissement de notre but, que cette vérité Seigneur incontestable soit protégée dans nos cœurs. Seigneur, je prie que cela soit établi fondamentalement dans mon cœur lorsque le ministère pastoral est incontournable et que je dois me saisir de chaque personne que tu m'as donnée comme étant, Seigneur, tes dons pour l'accomplissement du but. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, amen.